Avant mon accompagnement par l'IFEHAP, la qualité, c'était surtout et avant tout un cadre réglementaire, un référentiel, qu'on allait devoir traduire et surtout faire appliquer. Et ceci au travers d'un long temps de préparation, d'un long temps de coordination. Mais également la qualité, qu'est-ce que c'est en fait? C'est surtout un état des lieux. C'est oser faire un nouveau regard sur soi. Regarder nos pratiques, nous interroger sur elles. Maintenant, la qualité, qu'est-ce que c'est pour moi? Ça n'est pas que un référentiel, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux qui vise tout simplement à s'améliorer en permanence. On parle d'amélioration continue. C'est même au-delà, c'est un état d'esprit, c'est littéralement une manière de repenser complètement sa manière de fonctionner. De sa prestation de conseil, l'IFEHAP a réalisé au sein de notre structure une prestation d'audit blanc. Concrètement, cela nous a permis très vite de mettre en évidence nos points de progrès, les points à conforter, mais aussi de lancer tout un ensemble de plans d'action au sein de notre structure pour nous préparer aussi bien que possible à notre certification. Notre accompagnement en période de Covid-19 nous a également fait travailler en formation à distance. Nous avons pu échanger lors de rendez-vous réguliers. Nous avons également pu échanger par mail. Mais naturellement, nous avons surtout pu profiter d'un retour direct après audit à distance de notre structure.